Et comment on débat à la fin du camp? Ça n'a jamais été fait pour des bonnes choses. Et à la fin, comment il est devenu, c'est bien. Moche. Encore, il est devenu de la vie, il est devenu très enrichi par l'expérience. Et comment il est devenu aussi? Comment? C'est le moment qu'il dit qu'on avait fait en classe. Au début, naïf, crédit, à la fin, intelligent, si tu veux, conscient, n'est-ce pas, enrichi par les expériences, il ose interrompre Pangloss, il arrête Pangloss, il ne croit plus aveuglément à tout ce que dit Pangloss. Donc, qu'est-ce qu'on a appris à propos de ce tournoi? Voilà, qu'est-ce que nous avons appris? Qu'est-ce que vous avez appris? Alors, c'est bien. Elle dit que ce que j'en avais fait en classe, et ce qu'elle a appris, c'est que le travail compense la laideur. C'est bien. Encore les autres. Allez, c'est bien. Vous voyez comment le. Si tu travailles, tu réussis. Si tu travailles, tu réussis. Même jetta, moi jette. Manzara. Si tu travailles, tu réussis. Quand tu veux, tu peux. Oui. Encore. L'argent ne fait pas le bonheur. Oui, que l'argent ne fait pas le bonheur. Tout cela, c'est dans le rang. Mais c'est en argent. On n'a pas de rien faire. Donc, tu n'es pas d'accord avec elle. Un peu. Alors, les autres. Qu'est-ce que vous avez toujours appris sur Paul? Il ne peut pas s'occuper des autres. Oui, il faut cultiver notre jardin. Il faut cultiver notre jardin. Vous voyez combien de choses nous avons appris? Qu'est-ce que tu as dit? Ça va entendre, qu'est-ce qu'il y en a comme ça? Ça rapporte le bon. Mais toi, tu es belle, toi. Tu es belle. D'abord, on va faire. D'abord, on va faire. Il faut pas s'occuper des affaires des autres. Il ne faut pas s'occuper des affaires des autres. C'est-à-dire, il faut que tu aies notre jardin. Oui. Oui. D'abord, on va faire une petite présentation de la littérature maghrébine. Maghrébine. La littérature, c'est raconter la vie, ses faiblesses, forces, événements et ses troubles. La littérature englobe souvent plusieurs cultures en un seul style d'écriture, comme le cas de la littérature maghrébine. La littérature maghrébine est française née sous la période coloniale française dans les trois pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Elle appartient donc à la grande famille de notre trois pays, le Maroc, la Tunisie et la Tunisie. Donc, elle appartient donc à la grande famille de littérature francophone. La naissance de cette littérature se fera dans les années 1935 jusqu'en 1950, après la Seconde Guerre mondiale. Des écrivains marocains, algériens, tunisiens ont écrit au roman en langue française où ils ont parlé des coutumes, des traditions de leur société respective et aussi des sources. Vous avez retenu quelque chose? La littérature maghrébine d'expression maghrébine. La littérature maghrébine d'expression française née sous la période coloniale. Elle est née sous la période coloniale. Née, ça c'est dernier. Oui. Le verbe naître, oui. Oui. Coloniale française. Dans les trois pays, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Et la Tunisie. Elle appartient donc à la grande famille de littérature francophone
ça veut dire fille francophone, ça veut dire fille qui parle la langue française. La naissance de cette littérature se fera dans les années 1945 jusqu'en 1950. Après la Seconde Guerre mondiale, les écrivains marocains ont acquis des romans pour exprimer ses souffrances et aussi pour donner une édition de coutume. Les coutumes, ça veut dire la haine. Les habitudes. Les habitudes, les traditions, et tout ça. Et aussi pour parler de ses souffrances. De leurs souffrances. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez retenu? C'est-à-dire, pourquoi ils écrivent? Pour parler, d'abord, les habitudes, les traditions, et aussi les souffrances. Les souffrances de quoi? Du colonialisme, ce qu'ils ont vécu. C'est parce que c'est maghrébin. Parce que qui a souffert du colonialisme? C'est le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Après l'année. Merci. Après l'année. C'est la première fois que c'est le prof qui m'a donné l'absence de l'école pour faire mon modèle de l'école. C'est bien. C'est bien. Merci. Hein? Merci.